Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées, avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage. Fable du monde, un monde. Son auteur, Ali Ben Camara, nous vient tout droit de Kamsar. Il a fait le parcours pour cette émission. Mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, ça tout de suite. Fable du monde immonde. Salan, salan. Salan, salan. Petit nani. Petit nabi. Ra, allez, wop. À vous, requins, les lions chantaient haut ainsi. Jetant à l'eau la tortue, se frottant les mains. Elles ne nous font pas médecine, que de chair inaccessible. Nous sommes incompatibles. Avec toute tortue, éradiquons-les une à une. Né en 1984 à Conakry, Guinée, où il a fait ses études scolaires et universitaires, Ali Ben Barka est proviseur au lycée commandant Lansana Camara de Kamsar. Il est l'auteur de Fables du monde immonde. Voilà. Ali Ben Camara, c'est votre nom. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir c'est sur partagé. Le plateau de Parenthèse. Oui, merci. Alors, on en profite pour faire un joli coucou à tous nos téléspectateurs du côté de Kamsar, parce que l'auteur nous vient de Kamsar, et vous avez fait donc le parcours hein, de Kamsar pour Conakry, et afin qu'on puisse avoir ce moment d'échange avec vous autour de votre ouvrage. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite par son titre, parce qu'effectivement, c'est fable au pluriel, fable du monde, un monde. C'est-à-dire fable du monde, monde comme M-O-N-D-E, et un monde, I-2-M-O-N-D-E. Commencez déjà par décortiquer un tout petit peu ce titre hein, qui fait déjà fable un tout petit peu. Tout à fait. Au fait, c'est un genre qui est un peu inhabituel du public, surtout en Afrique. Oui. Et il va sans dire qu'on essaie de s'y habituer. Et parce que pour moi, avant tout, c'est un défi que je cherche à relever. C'est un genre qui est rarement exploré en Afrique. Donc, non seulement c'est une fierté pour moi de savoir que je suis l'un des rares auteurs africains qui s'est aventuré vraiment à explorer ce genre. Et donc, j'en profite pour encourager tout un chacun et à ne pas baisser les bras. Et à toujours se fixer des objectifs à atteindre. Et comme vous le constatez bien, le titre, vous l'avez si bien précisé. Fable du monde et monde. Du monde et monde. Et la fable, d'abord, le savons-nous, est un récit imaginaire, oui, mettant en scène quelquefois des personnages humains et le plus souvent animaliers, oui, et dont la finalité se termine toujours par une leçon de morale. Oui. Et les fables que moi j'ai eu à vous proposer, ce sont des fables qui sont versifiées, qui respectent les règles de la poésie. Ce n'est pas de la prose. Et cela, c'est pour déjà exprimer la grandeur et l'importance des thèmes qui y sont abordés. Oui. Et donc, le titre « Fable du monde immonde » incarne une panoplie de récits, comme je l'ai dit, mettant en scène quelque peu des êtres humains et le plus souvent, oui, des êtres animaliers, oui, tirant leur fondement d'une société ruinée, basculant négativement d'un côté. Mais c'est extrêmement intéressant, effectivement. Très important. Parlant de fables, donc, pour les téléspectateurs qui viennent seulement de se joindre à nous, alors nous, on est très contents de pouvoir de vous avoir sur le plateau, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart du temps, on reçoit beaucoup de romans. De romans. On reçoit aussi maintenant des essais. Oui. Tout ce qui est poétique, tout ce qui est poème, c'est pas forcément, on n'en a pas beaucoup reçu, mais justement, et en plus, pour ceux qui se focalisent sur les fables, hein, ça nous fait penser, ça on l'a tous étudié à l'école. Oui, ça effectivement, nous fait penser aux fables de Jean de La Fontaine, La Fontaine effectivement, oui. mais je veux dire, vous avez parlé de genre, on va encore vous redemander pour nous parler de ce genre. Et qu'est-ce qui explique votre intérêt à ce genre
qui est la fable. Pourquoi choisir de raconter, de nous raconter des histoires en vous appuyant, hein, ça c'est le cas hein, pour votre ouvrage, on va rentrer là-dedans tout de suite. Vous appuyez beaucoup sur des personnages animaliers hein, bah, donc des animaux, en gros, comme personnages choisis, vous appuyez là-dessus pour raconter, pour imaginer, pour nous mettre dans une... alors, vous créez une atmosphère avec ces personnages et puis vous racontez. Pourquoi cet attachement, cet intérêt pour les animaux comme personnages, pour exprimer D'abord, convient-il de rappeler que la fable est un genre littéraire extrêmement important et qui donne le privilège à l'artiste de se substituer en véritable orateur volubile, en architecte sonore, apte à produire un torrent de mots avec aisance. Et l'une des spécialités de la fable, c'est la diversité des thèmes. Oui, effectivement. Là, d'ailleurs, dans votre ouvrage, on va... Un grand nombre de thèmes y est abordé. Oui. Et c'est un champ grandement ouvert, surtout à l'auteur, de pouvoir aborder un peu de tout, sur tous les mots dont souffrent nos différentes sociétés. Oui. Parce que là, je l'avoue, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous trouverez toujours chaussure à votre pied. En abordant cet ouvrage, vous conviendrez avec moi que vous... vous épuiserez un thème, en tout cas, à votre goût. Et peut-être vous vous demanderez, mais est-ce que le thème ne s'est pas mis dans ma peau pour aborder ce thème? Oui. Alors, donc, c'est un peu ça. Ça va être extraordinaire parce qu'on aura l'occasion, bien entendu, et ça va être spécial. On va avoir l'occasion de faire des déclamations, là, tout à l'heure. Bien évidemment, sûr. En abordant quelques-unes des thématiques que vous avez abordées avec, bien entendu, vos fables. Fables du monde immonde. Alors, très rapidement, vous avez parlé de la diversité et de la capacité que le genre littéraire fable, donc la fable par exemple, a de pouvoir toucher, de transcender, de parler de tous les sujets. Et pour illustrer ça rapidement, on va jeter un coup d'œil sur la table des matières. Hein. Vous avez mes supports, vous dites-vous, mon trésor, le loup et le lièvre, le vieux renard et le renardeau, la poule et ses poussins, l'abeille et le criquet, les deux femmes, bon là c'est les personnages humains, la dame et l'âme, le combat entre deux coqs, là c'est les animaux, là d'ailleurs il y a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a, il y a les personnages animaliers bien entendu, mais même dans les personnages animaliers, il y a ceux qui relèvent des animaux, on va dire domestiques, donc qui partagent généralement la basse-cour, voilà, c'est ça. Et les animaux plutôt sauvages, bon, donc qui ne sont pas dans le milieu de vie quotidien, on va dire le milieu quotidien dans la vie de l'être humain. Alors, la guerre d'âge, les chasseurs rusés, le dinosaure et le pigeon, l'embarras du choix d'un imam. Ça m'avait vraiment intéressé. C'est très spécial. Je voulais savoir qu'un imam soit dans un embarras. Pas que je veuille voir un imam en embarras, mais... On y verra. Le chien, l'hyène et le lion, le jeune chat et la vieille souris, le faux, le fou, le revendeur et le passant, la girafe et le singe, le cultivateur empereur, le roi yété. Ça, c'est intéressant. Le yété, c'est emprunté au soussou. C'est au soussou. Effectivement, le lion. Voilà. Tout à fait. Plutôt que de dire le roi lion, vous avez préféré le roi yété. Très bien. Alors, les deux chevaux, blanc et noir, la blatte et les fourmis. Alors ça continue parce qu'il y a énormément, il y a beaucoup de textes, au total 42 fables. Oui, on a compté aussi. Oui. Les crapauds ménagers, le martin pêcheur, le bouc et les chèvres, le royaume animalier, le lion et la tortue, la fourmi et la caniche, le renard menteur, les deux criquets, le royaume du renard, le chat et le chien, l'âne et l'agneau, la tragédie d'un serpenteau,
Hein, oui. Le caméléon qui revient beaucoup d'ailleurs dans nos histoires tout et tout ça. Oui, oui, c'est normal. Menge Sekou Touré, dites-vous. Ça, c'est à la page 62. Oui. Alors, là, la chèvre et la brebis. Le taureau et le taurillon. Le jeune cultivateur angoissé. Chien et chat. Les vicissitudes de la vie. Le lièvre et l'écureuil, le moustique et la tempête. Oumar Dine et Yété, le roi lion, hein, qui revient. Alors là, là c'est un peu, on a survolé un tout petit peu pour donner une petite vue d'ensemble de l'ouvrage sur les différentes thématiques qui sont abordées. Oui. Alors, ce que je voulais aussi souligner, c'est intéressant, hein, le choix de ce genre, parce qu'effectivement, dans la culture, dans nos cultures africaines, les contes, les devinettes et autres, et généralement, c'est des histoires qui sont racontées avec toujours, en tout cas pour et la plupart... Et qui sont toujours laissés dans la forme orale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est surtout l'emprunt des personnages animaliers. Oui, oui. Dans tous les contes, tous les contes, même les plus célèbres, je veux penser au lièvre, à l'hyène, qui est omniprésent dans les histoires et les contes, je veux dire. Donc, c'est pas nouveau, en gros, cet usage qui consiste à s'appuyer, à prendre appui sur les personnages animaux. En fait, ce choix des animaux, à ce que moi je comprenne, vouloir tout le temps préciser le nom d'un être humain, d'une personne dans l'ouvrage, en le parcourant surtout la fable, c'est pas tout le monde qui se sentirait concerné. Par exemple, lorsqu'on désigne un responsable par un nom bien précis, eh bien les autres responsables vont se dire, eh bien on ne parle pas de moi. Mais vouloir, par exemple, parler du roi Yété, alors n'importe qui assume une certaine responsabilité se sentirait concerné. Que tu sois directeur, que tu sois chef de famille, lorsqu'on dénonce les manquements du roi Yété, eh bien, tu auras ta part dedans. Oui, alors, le roi Yété, on va revenir, c'est intéressant aussi, c'est un des textes que j'avais noté, mais effectivement, je veux dire, aussi dans l'histoire de la littérature, on sait aussi que c'était une astuce part des artistes pour critiquer sans nommer, justement les chefs, mais évidemment, c'est devenu traditionnel aussi. C'est une façon d'utiliser aussi la parabole pour parler de cette travers-là. C'est un peu ça la poésie, on aime souvent utiliser la métaphore. La métaphore, et beaucoup d'allusions. Beaucoup d'allusions, tout à fait. Oui. Le tout pétri par une certaine imagination. Oui. Et c'est ce qui surtout fait la spécificité et la particularité de la fable. Et c'est un genre, j'invite tout un chacun vraiment à parcourir cet ouvrage. Eu égard du temps extrêmement énorme que j'ai consenti à polir ces écrits, et je dirais que c'est un rêve de toute une vie qui y est, mais je ne dirais pas que c'est la fin d'une aventure, ce n'est que le commencement. Ce n'est donc que le commencement pour M. Ali Ben Camara, donc, qui vient nous parler de son ouvrage « Fable du monde immonde ». Alors, fable, c'est fable, justement, on va sans plus tarder aller donc à la rencontre pour vous faire découvrir, mesdames et messieurs, donc ces fables de Monsieur Ali Ben Camara. Alors on commence par le tout premier, mes supports. Alors on va vous laisser le soin d'ouvrir votre ouvrage, bien entendu, avec une petite déclamation tout de suite sur le premier, le tout premier, c'est à la page 8, donc mes supports. Au fait, c'est un sonnet qui est là. Sauf que l'espacement n'a pas tellement été respecté, mais sinon c'est un poème composé de deux quatrains et de deux tercets, c'est-à-dire une strophe de quatre vers, une deuxième de quatre vers, une troisième de trois et une quatrième de trois. Et c'est un sonnet que j'ai attribué à tous qui ont concouru vraiment à ce que je puisse être au bout du tunnel, surtout dans cet objectif qui ne m'a pas du tout été facile. Et donc, c'est une manière pour moi de les remercier. Et comme vous le constatez, tous ces deux poèmes d'ailleurs, mes supports, mon trésor, c'est en quelque sorte des poèmes que j'ai adressés aux uns et aux autres,
qui n'ont ménagé aucun effort quant à ma réussite. La marque, une marque de reconnaissance. De reconnaissance, voilà. Tout à fait. C'est pour leur exprimer ma sincère gratitude. Eh bien, je vais prendre le temps de vous déclamer ce premier poème. Allez-y, qui est un sonnet. J'ai hâte là, bien. Parce qu'on va partager ça aussi avec nos téléspectateurs. Donc, ce que je n'ai pas dit aussi au début, c'est que vous êtes, et là on est content aussi pour ça, vous êtes un éducateur, oui. Parce que vous êtes proviseur du lycée Lansana Camara, commandant Lansana Camara de Kamsa. On va aller sur l'ouvrage. Merci. Et voilà. Donc, merci pour. Au ciel, à mes sangs, mes alieux, ces roses. Quant à tel macadam coloré de choses, aussi à tous ceux qui essuèrent chaud de larmes, à mon visage, par, ne baisse les armes. Quels indélébiles, à vous qui dans mon cœur aviez jugulé peur, rancœur et désespoir, rallumez mon âme s'esquivant dans le noir. Vous époustoufleront mes sentiments en cœur, tel le nectar et l'ambroisie aux abeilles. Mes yeux ouverts, je vous rêve des merveilles. Vos sourires renchérissent mon art de vivre à ces instants méditatifs du oui au livre. Sous le toit paternel ou au pied de la flore, à mes côtés vous y étiez, merci et encore. La poésie prend vie lorsqu'on lui donne une certaine sonorité, et c'est ce que vous faites. Alors, parenthèse aujourd'hui exclusivement consacrée donc à la poésie avec les fables de Monsieur Ali Ben Camara. Vous comprendrez que on est très content de vous recevoir. Je vais essayer de m'y mettre. Je ne sais pas si je vais arriver comme vous. Moi, je vais prendre la deuxième fable, oui. Mon trésor. D'accord. Bon, je suis mal tombé parce qu'il est plus long. Il est plus heureusement long, que j'espère que je vais y arriver. Un seul dessin dans l'âme de mon beau cartable était enfantin dessin que j'ai joué carte à table et pris d'être amant des muses par l'art matin, découvrant, rapprochant, grâce au grand art matin, du Sénégal à ma Guinée, ce calembour, fidèle à ses amours, même de calembour. 5 ans plus tôt, c'était mes jalons d'enseignant. Un printemps couvert de divers coups enseignants. Les vicissitudes, nonobstant, le corbeau risquait tout pour prouver qu'il gardait son corps beau. Mais ressuscitant les récits de ma grammaire, comique, trimballant les fins de la grammaire, a jamais résolu d'atténuer la souffrance. Avant ma naissance, la période sous France. Ma prochaine renaissance, quelques sonnets. Aussi voudrais m'embrasser, compagnon de sonnets, à ne stagner dans l'éternel psalmodie. Que les bouffons traiteront de sales maudits, ribambelles de mots en ruban bel à voir, mais plus amendés que je puisse en avoir. À l'aube de cette plume de l'ornement, me tenant combattant car sais-je l'ornement, ceux de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, je vous ai l'or. Le monde est un hameau grand, planétaire, alors. Voilà, je ne sais pas si ça a été bon, on verra ça. C'est magnifique, ça, c'est magnifique. Ça, c'est la deuxième fable. Oui. Et ça nous... Ça, et là, c'est un calembour, plus précisément. C'est oui. Aussi un autre genre littéraire. Se lance un peu dans ce jeu de mots, comme vous le constatez. Oui. Surtout la terminaison, la rime des vers. Oui. Beau cartable, carte à table, armatant, oui. Armatant, enseignant, enseignant. Donc c'est un jeu de mots qui est là. Oui. Et c'est ce type oui. De poème qu'on a appelé c'est le calembour. C'est vrai que, bon, on parle de sonorité, c'est bien. Oui. Mais c'est, je veux dire, la musicalité, cette sonorité. Elle est extrêmement importante. Voilà, cette sonorité chantante, oui. Musicale, oui. Qu'on a du plaisir à entendre aussi, s'enrichit aussi de la lecture. Parce qu'effectivement, elle est à la fois sonore en termes esthétiques, mm-hmm. Mais elle est aussi visuellement esthétique. Quand oui. On lit et qu'on voit, par exemple,
enseignant, oui. pour l'enseignant oui. qui enseigne, oui. mais enseignant. Pour exprimer la souffrance que j'ai endurcie. Voilà. Le fait de saigner, oui. je veux dire, en lisant, il y a ce plaisir-là de voir, je ne dis pas la manipulation, mais le génie de... Oui, la manipulation, je ne sais pas, ce n'est pas le mot que je veux, mais le fait de manier, voilà, oui, manier. Oui, oui. La langue, surtout. De manier la langue, parce oui. que c'est très, c'est vraiment artistique, hein, c'est un art. Hein. Voilà, mon trésor. Magnifique. On commence votre ouvrage avec ces deux fables qui ouvrent comme ça. Là. Alors, on tourne la page, je dis, on arrive avec ce que moi j'aime bien, hein, effectivement, l'eau et le lièvre. Le lièvre, et oui. Là, vous nous transportez, là, comme ça, on va carrément en forêt, là. Oui, oui, on oui. va au cœur de la forêt. Au cœur de la forêt, bien sûr. Comme nous le savons bien, on passe par les animaux pour s'adresser et instruire les hommes. Oui. C'est un peu ça, la fable. Donc, celle-ci, elle est intitulée « Le loup et le lièvre ». Oui. Il y s'agit d'abord d'un personnage n'ayant de penchant qu'à faire du mal. Un personnage sadique, apathique. Ne croyant ni en Dieu, ni au diable, qui n'est autre que le loup. Tout son plaisir, c'était de faire du mal. Et l'autre, qui est le lièvre, était un peu l'opposé du loup. Et lui, c'était un personnage en quelque sorte Boniface. Un personnage qui ne rêve qu'à faire que du bien. Et c'était vraiment tout son objectif. Et le loup était en même temps un mécroyant, contrairement au lièvre. Oui. Et nous le savons, ceux qui pratiquent la religion par intermittence ou qui sont des mécroyants, lorsqu'il y a des calamités naturelles qui se produisent, oui. ils sont les plus terrifiés. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent que la colère divine ne s'abatte sur eux pour les réprimander. Et un jour, à l'averse d'une forte pluie, le loup qui était en... mécroyant, alors il a eu peur. Il a perdu la notion de la raison, de croyance en Dieu. Et avec les menaces de la foudre, du tonnerre et tout ce qui s'ensuit, le loup a perdu raison. Il est allé se clouer dans un trou en disant ceci, « Oh grande pluie, toi tonnerre, aie pitié de moi, ainsi de suite. » Et de passage, le lièvre a constaté que le loup vraiment avait perdu raison. Oui. Et lui, il venait tout sereinement sous son parapluie pour tenter de le ramener à cette raison en disant quoi ? Écoute, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu es terrifié par la menace de cette averse pluvieuse, le tonnerre, la foudre, ainsi de suite. Mais tu oublies par contre que ces phénomènes-là sont créés par Dieu. Et donc, c'est ainsi que le lièvre a adressé cet adage au loup en lui disant quoi ? Au lieu de craindre le chien, oui. aie peur à qui il appartient. Donc au lieu d'avoir peur du tonnerre, de la pluie et tout ce qui s'ensuit, plutôt il faut avoir peur de Dieu. Vous êtes très attaché à la religion, ça se voit. Oui. Le texte aussi qu'on voit cette croyance-là au Dieu Tout-Puissant. Alors ça traverse hein, quelques textes, on a pu le remarquer. Ça c'était le loup. Et le lièvre, et j'ai envie de dire, j'en profite, mais sincèrement, que par cet ouvrage, avec ces belles histoires racontées dans ces, avec talent, hein, je le confirme pour nos téléspectateurs, avec talent, et que vous parveniez à nous plonger dans les vraies histoires. Parce qu'en réalité, c'est avec ça que tout a commencé, en tout cas dans nos traditions à la base. Et vous nous replongez dans ça à un moment donné où c'est vrai qu'on peut constater une perte de repères et tout. En gros, c'est un peu comme à travers cet ouvrage, vous nous dites, revenons oui. à la source, oui. revenons à l'essentiel.